La parole est à Madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, chers collègues, à mon tour, je remercie Brigitte Gonthier-Maurin et à travers elle l'ensemble de la délégation aux droits des femmes du Sénat d'avoir engagé ce travail sur un sujet particulièrement difficile et trop souvent occulté. Il s'agit de nous mettre face aux violences commises envers les filles et les femmes dans un contexte de conflit armé. Contexte spécifique qui pourrait laisser penser qu'étant hors norme, il obéit à ses propres règles ou à aucune règle et que nous n'y pouvons rien. Le travail de la délégation nous a montré l'ampleur des faits et des horreurs perpétrées contre les femmes, contre les enfants également, et dans une moindre mesure contre des hommes et des jeunes garçons. Les violences sexuelles, les viols, parfois nommés viols de guerre, comptent parmi les plus graves. Ces cruautés s'accompagnent de transmission du sida, d'hépatite ou d'autres maladies sexuellement transmissibles, parfois de manière totalement organisée et stratégique, afin de détruire l'ennemi. Parfois, ce sont des viols avec grossesse imposée, afin d'atteindre l'ennemi par leur femme interposée, et parfois encore, on stérilise les femmes. Les victimes sont des populations civiles de tous âges, cela a été dit, des bébés, des fillettes, des jeunes filles, des femmes et des très vieilles femmes. Dans tous les cas, on porte atteinte délibérément à leur intégrité, à leur dignité. On les condamne au silence, à la réclusion sociale et à la pauvreté. Pour ma part, je reste marquée par l'intervention de la ministre Yamina Benguigui, votre collègue, qui a évoqué la situation terrifiante qu'elle a pu découvrir sur le terrain, notamment en République démocratique du Congo. Le constat est glaçant. Le silence et l'impunité règnent en maître. Le viol de masse perpétré par des porteurs de VIH peut s'apparenter à une nouvelle arme biologique, pour reprendre son expression. La situation des enfants nés de viol et séropositifs pour beaucoup d'entre eux, ou celle des jeunes filles, parfois très jeunes, est terrifiante et insoutenable. Les conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales sont effroyables et durables bien au-delà du conflit lui-même. Autant d'éléments qui ont entraîné l'indignation et la colère de la ministre et l'ont conduit notamment à placer la question des droits des femmes au cœur de la relance de la francophonie. Je tiens à saluer son courage et sa ténacité dans cette entreprise. Je retiens également des auditions d'experts, de représentants d'associations et d'ONG le rôle nouveau de l'image et de la mise en scène des violences comme liées aux technologies de l'information et de l'Internet. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, ces scènes de viol et de supplice sont filmées puis diffusées dans des réseaux pornographiques. Et il s'agit là d'un crime supplémentaire dans l'échelle des horreurs subies par les victimes qui vivent ensuite sous la menace de voir ces images diffusées auprès de leurs proches et qui les condamne un peu plus encore dans la reconstruction personnelle. Il nous faut faire reconnaître ces agissements comme criminels. La prostitution, cela a été dit, dans les camps de viol en ex-Yougoslavie, par exemple, où des filles et des femmes sont sacrifiées pour satisfaire les plus bas instincts des soldats, fait aussi partie de cette affreuse liste des atrocités proférées à l'encontre des filles et des femmes. Le tableau est horrible, oui. N'ayons pas peur d'utiliser des mots que les victimes, elles, ne peuvent plus dire. Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux et de nous boucher les oreilles, nous qui vivons en paix. Nous devons poursuivre ce combat universel pour les droits des femmes, car ces violences que d'aucuns s'autorisent en temps de conflit forment en fait un continuum tout au long de la vie des filles et des femmes, en temps de paix comme en temps de guerre. Cette universalité des violences, des brimades, des agressions physiques et sexuelles, privations subies par les femmes tout au long de la vie, pourrait presque laisser croire qu'il s'agit d'une fatalité réservée à cette moitié de l'humanité du fait d'une infériorité soi-disant naturelle.
Nous le savons bien qu'il n'en est rien, qu'il n'y a pas de fatalité, mais simplement la manifestation d'une domination des hommes sur les femmes. Et dans ce combat pour l'égalité, il ne saurait y avoir de zone de non-droit, même si les zones de conflit peuvent parfois nous paraître inaccessibles de ce point de vue. Nous ne baisserons pas les bras, bien au contraire. Dans les négociations de fin de conflit, chaque victime de viol doit pouvoir être reconnue comme victime de guerre afin que les auteurs soient condamnés. Il faut permettre aux victimes de sortir du silence et donner l'accès à des soins post-traumatiques. Les victimes doivent obtenir réparation, y compris sous forme d'indemnisation financière. Le processus de paix ne peut véritablement fonctionner qu'à ce prix. Les experts auditionnés nous ont largement convaincus de la nécessité d'associer pleinement les femmes au processus de reconstruction par la reconnaissance des crimes qu'elles ont subis, mais aussi en mobilisant leur capacité à proposer des solutions pour construire une paix durable. Ne pas reconnaître et punir les violences commises envers les femmes, le viol notamment en temps de guerre, revient à minimiser les crimes perpétrés et à laisser penser qu'il y aurait des moments où les humains peuvent laisser libre cours à leurs instincts, que la guerre a ses règles viriles et que c'est vieux comme le monde. La condamnation des auteurs vise à rappeler la règle de l'interdit du viol en temps de paix comme en temps de guerre. Et pour reprendre la phrase de Jean-Claude Chesnais, le viol reste le seul crime dont l'auteur se sent innocent et la victime honteuse. Et c'est cette absurdité qu'il nous convient de faire changer. C'est le pari des politiques en faveur de l'égalité entre les filles et les femmes, entre les filles et les hommes, entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, j'y arrive, que vous mettez en place, Madame la Ministre, depuis presque 2 ans, afin de déconstruire les stéréotypes qui placent les femmes en situation de soumission à la domination masculine, en temps de paix comme en temps de guerre. Je retiens aussi de notre travail de la délégation aux droits des femmes une volonté farouche de l'ensemble des acteurs auditionnés de faire cesser le cycle infernal des violences en luttant contre l'impunité des auteurs et d'agir pour la reconnaissance et la protection des victimes. Et de ce point de vue, nous ne partons pas de zéro. Depuis la guerre en ex-Yougoslavie, un ensemble de textes a vu le jour sur la scène internationale, attestant là d'une prise de conscience croissante de la communauté internationale. Je rappelle brièvement la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 31 octobre 2000, à laquelle il a été fait référence tout au long de nos travaux et de nos prises de parole ici. Cette résolution a fait entrer dans les violences sexuelles commises en temps de guerre, dans le champ des compétences des institutions chargées de la paix et de la sécurité internationale. C'est une première étape pour mettre fin au silence et au déni. La France n'est pas absente de ce processus. Elle a adopté, il y a quelques années, un plan national d'action pour la mise en œuvre effective de ces résolutions, mais il nous faudra évidemment aller plus loin et encore plus loin. Parmi les recommandations émises dans le rapport, j'en retiens 2. Celle de l'accès à la justice, tout d'abord, qui est loin d'être garantie. L'aide technique, l'aide humaine et matérielle apportée aux pays en situation de post-conflit doit intégrer de manière systématique le renforcement du fonctionnement des institutions judiciaires pour offrir un accueil adapté et sécurisé des victimes, des enquêtes sérieuses, la condamnation des auteurs et des mesures d'accompagnement et de réparation pour les victimes. Concernant la question plus générale des rôles et places des femmes dans nos sociétés, en particulier en temps de conflit, je souligne avec intérêt les initiatives mises en œuvre pour faire progresser la place des femmes au sein du ministère de la Défense. À ce titre, à mon tour, je salue la proposition d'observatoire de la parité à la Défense et du renforcement de la présence des femmes dans les armées et à tous les niveaux. Ces initiatives vont dans le bon sens, notamment en matière d'attention et d'accompagnement sur le terrain, accompagnement des victimes mineures et majeures. Mais je vais terminer mon propos sur 2 remarques. Tout d'abord, sur la question de l'accompagnement des femmes violées qui ont mené leur grossesse à terme par contrainte ou par manque d'accès à l'IVG. Comment travailler cette question avec ces femmes? Comment les aider à accepter l'enfant ou comment les aider à accepter de s'en séparer?
Comment ensuite aider les enfants issus de ces viols et grossesses non désirées, afin qu'ils ne deviennent pas, à leur tour, grossir le rang des enfants violents, à l'instar des enfants soldats de Colombie ? Comment leur permettre de s'inscrire dans une nouvelle vie ? Le rôle d'une société est grand dans la clarification des responsabilités en cas de crime, afin que les victimes puissent peu à peu s'apaiser, à défaut de pouvoir tout oublier. Enfin, je veux m'interroger sur notre responsabilité directe en tant que pays d'accueil des femmes réfugiées qui ont fui leur pays en temps de guerre. Et notre collègue Corinne Bouchoux vient en donner un exemple concret. Ces femmes ont pu subir des violences graves lors de ces conflits ou dans les camps de réfugiés, des violences sur elles-mêmes ou des violences par le biais de leurs enfants. Quel accueil leur réservons-nous chez nous ? Sommes-nous véritablement en compréhension de leur histoire ? Mettons-nous tout en place pour les aider à se reconstruire, les aider à se protéger et pour éviter la survictimisation ? Je n'en suis pas certaine et des marges de progrès existent sur cette question et nous devons aussi y faire face. Je sais que le chemin est long et qu'il est semé d'embûches pour faire évoluer la situation des filles et des femmes en temps de paix comme en temps de guerre, mais je veux croire, comme le disait Antonio Gramsci, que le pessimisme de l'intelligence n'interdit pas l'optimisme de la volonté. Alors, avec vous, mes chers collègues, avec vous, Madame la Ministre, je me déclare résolument optimiste pour faire avancer le droit des filles et le droit des femmes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Najat.